La skinoiserie. Je suis fatiguée, je dois me reposer. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Lannou, là tu vas très loin. Hier j'ai eu ta collègue Laetitia Nguya au téléphone. Elle me dira que tu étais la première à quitter les bureaux. Avant même ton impudique de patron. Hé, attends. Ah oui. Et sache que je suis au courant de tout. Au courant de tout. Hé, Kabea, tu me prends pour qui? Hein? Je sais bien que tu es jaloux, mais... Attends, moi au moins j'ai un boulot. Et je m'en sors très bien. Je ne regrette pas d'avoir trouvé ce boulot. Il te serait mieux de te trouver un boulot. On doit tirer les choses au clair. Ah oui. Car je ne peux pas supporter ce persiflage. Alors, il faudrait choisir. Soit les boulots, soit les mariages. Car on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Dans l'immédiat, papa, chope pour mon boulot. Car je ne peux pas hypothéquer ma vie avec un fainéant comme toi, un paresseux qui pique des crises de jalousie à tout moment. Ah, bon, Ipe Boeko. Voilà, ça explique tout. Sale profiteuse, après avoir sucé tout ce que j'avais. Aujourd'hui, tu trouves une raison pour t'en aller. Tu le paieras cher.